Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien. En ce 11 juin 2023, actuellement ici au Québec, il est 19h14. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette carte qui nous parle de quoi? La carte qui nous parle de mémoire, de souvenirs. On plonge dans nos souvenirs. On peut me présenter une personne qui s'ennuie actuellement. C'est aussi une invitation à se créer de nouveaux souvenirs. Allons-y, continuons. Photographie. Scorpion. Scorpion. Bon, on nous présente la policière, le policier, limite. On met une limite. Stop. Arrêtez-vous. Arrêt. Stop. OK, qu'est-ce qu'on veut nous dire, Scorpion? Donc, une figure d'autorité. Scorpion. Habitude. Habitude de quoi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Continuons d'explorer. Si quelque chose vous traverse en regardant les cartes... Oups! Attendez, je suis en train d'échapper mes cartes. Bon, c'est bon. Si quelque chose vous traverse en regardant les images, sentez-vous bien libre de vous exprimer. Donc, habitude. Habitude de quoi? De faire la loi. Attendez une minute. Habitude de mettre nos limites. Habitude. C'est rendu une habitude. Bon, essayons de comprendre. Scorpion, on verra bien. Ici, on me présente le succès, la réussite. Bon. Succès, réussite. On dirait que c'est une personne qui attend quoi? Attendez une minute, là. Allons-y. Ici, c'est une carte qui me dit quoi? Qui me présente une personne qui se fait confiance et qui fait confiance aussi à l'univers, à la vie, à Dieu. Appelez-le comme vous le voulez. Donc, une carte de réussite, une carte qui me parle d'attente et photo. Continuons. Continuons d'explorer. Quelle est l'histoire aujourd'hui? Une personne qui peut s'ennuyer. Je vais regarder cette zone. Habitude, limite. L'étoile à l'envers. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec l'étoile à l'envers? Ici, j'ai le magicien à l'envers. Oh, écoutez, là, ici. Ça sent le mensonge. Ça sent l'illusion. Ça sent les ruses. Ça sent l'abus de confiance. Les jeux d'esprit. Il y a quelque chose de caché ici, signe du Scorpion. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Donc là, on me présente photo. Ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Attendez une minute, là. On va essayer de comprendre ce qui se passe là.
Je vais changer de jeu. Attendez un peu. Peut-être ici qu'on est en train de me présenter une personne qui a appris, s'est rendu une habitude, à mettre sa limite aux personnes qui quoi? Qui lui mentent? Qui la manipulent? Elle les voit venir d'avance, elle les voit arriver d'avance. Ici, c'est tout de même une carte qui représente quoi? Limite. Une personne en situation d'autorité, loi, règlement, le respect, respect des règles, limites. Bon, ici c'est une carte de réussite. Ici, on attend quoi? C'est une personne, on dirait, qui stoppe les personnes rusées, manipulatrices. Bon, attendez une minute. La carte de l'univers à l'envers, la supercherie. Donc, on dirait ici une personne qui... Oui, qui est habituée, qui les reconnaît, les personnes mal intentionnées. On a commencé quand même avec la carte de la photographie. On dirait qu'on nous a fait visiter le passé, là, ici. Bon. En mon ressenti, j'ai l'impression ici que c'est devenu une habitude de se respecter, d'imposer notre limite face aux personnes mal intentionnées. Oui, c'est ce que je perçois ici. Les personnes qui veulent nous tourner la tête, nous manipuler, abuser de notre confiance. Non, on met une limite, on les reconnaît. On les reconnaît. C'est ce que je perçois. Les gens qui jouent avec les sentiments, les émotions, c'est une personne qui les reconnaît et qui sait mettre sa limite. Donc là, on nous parle d'une décision à prendre, Scorpion. Continuons. Et je vais vérifier aussi avec l'attente. Pour quelle raison? Tu attends quoi? On a pigé cette carte qui nous parle de succès, de réussite, de fortune. Ici, on nous présente l'attente. Ici, décision à prendre. Bon. Concernant un lien, un partenariat, une amitié, une relation d'affaires, une relation amoureuse, on aurait une décision à prendre. Possiblement. Continuons, on verra bien. Scorpion, le chez-soi. Ici, le goût de partager. Partager. Ici, on nous parle le travail. Travailler ensemble. Le goût de partager. Le goût d'être ensemble. Donner et recevoir. Équipe. Faire équipe ensemble. S'allier. On dirait qu'on nous parle de travail, de chez soi. Attendez une minute. Partager, donner et recevoir, vouloir se faire plaisir. Le travail. On dirait qu'on me parle de sentiments et à la fois de travail. Oui. Relation stable.
Il y a un masculin ici qui joue un rôle important. On dirait un homme qui veut quoi? Qui a une décision à prendre. Oui. La maison, vouloir quoi? Stabiliser. Il y a une décision à prendre. Ici, ouverture du cœur. Travailler ensemble, se soutenir, s'accompagner. Regardez, regardez comme elle est belle, cette carte. Avec toi. Avec toi. Le travail. Donner, partager, ouverture du cœur. La maison, le foyer. Continuons. Le militaire qui revient. Oui. Il veut rencontrer ici la dame de cœur. Il a peut-être un choix ici à faire entre deux. Attendez une minute. Donc, on me présente l'énergie d'un père. On me présente le militaire. Le militaire est une personne disciplinée. Ça me fait penser un peu ici. Au policier, là, qu'on me présente. La mère, la fille, ou c'est la mère qui a un cœur jeune. On pourrait me présenter ici. On pourrait me présenter deux femmes, comme on pourrait aussi me présenter une mère qui paraît jeune, qui aime avoir du plaisir. On veut rencontrer une personne. On a une décision à prendre, comme il y a peut-être deux personnes. Vouloir rencontrer. Il y a peut-être deux personnes. Attendez une minute. Deux femmes, c'est ce que je veux dire. Ici, on me présente le masculin. Attitude, c'est le militaire discipliné. Attitude aussi de protection. Vouloir te protéger. Une personne qui quoi? Qui te surveille aussi peut-être. Le militaire. L'homme d'affaires ou un père ou un patron, à vous de voir ici ce que cet homme représente pour vous. Vouloir te rencontrer, on dirait qu'il y a sentiment et à la fois travail. Le goût de partager une même passion, le goût de un même travail, attendez, se rencontrer. Il y a les deux femmes ici, je vais explorer. Je vais déposer une carte sur elle. Scorpion. Peut-être qu'il y en a une qui est plus jeune que l'autre ou qui paraît plus jeune. On verra bien. Est-ce que ce sont deux femmes différentes? Attendez une minute. Il y a elle, le chez-soi. Elle est chez elle, le chez-soi. Ici, l'énergie de la mère. C'est une carte qui nous dit aussi, qui nous rappelle aussi le fait de prendre soin de soi, de faire preuve de bienveillance envers soi. C'est peut-être aussi sa mère qui lui rappelle de prendre soin de lui. Ici, il y a une femme, on dirait qu'elle est chez elle. Parlez-moi de cette femme ici. Bon, on me présente la carte du jugement. Le juge. Bon, le juge. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le juge? Le jugement. Dévoiler la vérité. Libéré d'un passé, le jugement. Est-ce qu'on nous dit ici que c'est une femme qui... on ne sait jamais, hein? Elle pourrait travailler au sein de la justice aussi, là. Une personne de loi, c'est très possible. Comme on pourrait me parler... On pourrait me parler d'une personne qui juge.
qui se juge. Le juge. Personne de loi. Qu'est-ce que ça vous dit? Le jugement. Jugement rendu. Et ici, une femme au domicile chez elle. Bon, attendez, je vais explorer un peu encore. Essayons de démêler cette histoire. Un masculin qui a une décision à prendre. Il veut rencontrer, ici on dirait qu'on me parle de partenariat. Vouloir stabiliser, construire une relation, un lien. Une décision à prendre. Ici, on me parle du lien. Vouloir se rencontrer. Ici, il y a une femme chez elle. Ici, j'aimerais avoir des détails sur cette personne. La dame est la carte du jugement. Vous voulez me dire quoi? C'est aussi une carte qui inspire le pardon. On se libère d'un passé. La carte du pardon. Je me pardonne. Je suis pardonnée. Jugement rendu, il y a une libération. Ici, la carte du guide. Donc là, je pense ici qu'on est en train de me présenter une femme qui quoi? Ici, c'est la carte du guide, la justice qui revient. Bon, je pense ici qu'on me présente une séparation, une fin. Oui, la justice qui revient. On dirait qu'on me présente une personne qui est libérée. Libérée. La papesse qui est là, le guide. Guide. La justice. Tout est clarifié. C'est la carte de la paix. Retour de l'équilibre. La fin d'une histoire. Jugement rendu. C'est fini. Jugement rendu. La papesse. Le guide. Le guide. Avec la papesse, le guide peut avoir un don. Le guide écoute son intuition. Le guide est sur sa voie. Son intuition, le guide, ses ressentis, le guide. Une personne de bon conseil. Une personne inspirée. Clairvoyante, qui fait preuve de discernement, qui fait preuve de clairvoyance. On dirait ici que je ressens la fin d'une histoire. Justice, paix, retour de l'équilibre, jugement rendu. Une histoire qui est terminée. Donc, on a retrouvé notre chemin, notre voie, c'est terminé. Bon. Donc, on dirait que j'ai rencontré, que je rencontre deux femmes, là. OK. Attendez une minute. Être accompagné. Être accompagné. Justice rendue, libération d'un passé, carte de fin, de transformation, libération. OK, il y a une femme ici qui est libérée. Jugement rendu, on est en paix, retour de l'équilibre. Ici, la femme chez elle, donc lui, il a un choix à faire. Notre fameux militaire. Oui, attendez une minute. Allons-y avec une carte sur la femme riche ici. On peut me parler de richesse financière, comme on peut me parler de richesse
du cœur. Allons-y. Scorpion, qui est cette femme? Parlez-moi d'elle. Scorpion, en ce contexte. Ah, ici, c'est la carte qui me parle de quoi? On dirait que c'est l'amante ou c'est l'énergie d'une amante. Mm-hmm. Oui, et d'après moi, ici, oh, beaucoup de désir. Beaucoup de désir. Et d'après moi, cette liaison va être exposée à la lumière. Mm. Il y avait indécision, doute. Ici, le diable, quand il est à l'endroit, exprime la passion, exprime le plaisir, exprime l'attirance, le désir. On dirait ici qu'on allume le retour des désirs, on est allumé. On dirait que c'est l'énergie d'une amante ici. Mm-hmm. Oui, c'est ce que je ressens, l'amante. Bon, donc il avait un choix à faire entre deux. Ici, j'ai rencontré la fin concernant cette carte de la dame là, qui est là. L'énergie, une femme, une mère à vous de voir. Une femme qui peut avoir aussi l'attitude d'une mère. Ici, elle est libérée. Il y a paix. Bon. Et ici, c'est l'énergie de l'amante. Mm. Désir exposé. On dirait ici... Ouf! Il fait chaud, là, ici, avec le soleil. Oh oui, on brûle d'envie. Beaucoup de désir. Mm. C'est l'énergie de l'amante qui est là. Le soleil représente la joie, représente la réussite, représente le profond contentement, représente l'authenticité. On dirait ici qu'on va dévoiler à l'autre les désirs. Donc, c'est un homme ici qui a comme un choix à faire. Je vais déposer une carte ici, l'entre-deux. L'entre-deux qui est là, oui. Le soleil, voir. Et le diable qui me parle de plaisir. Je vais déposer une carte sur les amoureux ici à l'envers. Le foyer, la maison. Stabilité. Parlez-moi encore de la carte des amoureux à l'envers. Scorpion. La courte maladie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Indécision, désir, lumière. La courte maladie. On doute. Parlez-moi de la courte maladie. Vous voulez me dire quoi ici avec la courte maladie? Scorpion. Est-ce qu'on est sur la voie du rétablissement? Il y a un blocage. Il y a un frein. Attendez, on n'arrive pas à tourner la page. Donnez-moi une minute. Où est-ce qu'on s'en va, Scorpion? Où est-ce qu'on s'en va? Ici, cette personne hésite, doute, peur de se tromper. On me présente la courte maladie. Cette personne, je parle de la femme, de cette femme ici, dans le doute. C'est peut-être une personne, une femme qui est au foyer. On l'a vu aussi tantôt.
au foyer, à la maison, il y a un double, confusion, l'entre-deux, un blocage ici, elle est freinée. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle hésite, elle a peur de se tromper, elle a peur, elle pense à quelqu'un. Attendez, elle n'a pas oublié une personne, elle n'a pas tourné la page, ce n'est pas terminé. Et pourtant, on me présente le bouleversement. Donc, d'après moi, on est en train de me présenter une fin inévitable. Donc, ça va être la fin du doute, la fin de la confusion, d'après moi, parce que là, cette personne est en train de se rendre malade, à demeurer dans la confusion. Le fait qu'elle ne prenne pas de décision, bien là, ici, elle est en train de quoi? Elle est bloquée, cette personne. Elle n'arrive pas à se décider. C'est comme si elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Mais quand je regarde la carte, les cartes qui suivent, il y a quelque chose qui s'arrête. C'est comme un changement inévitable de toute façon. Donc le choix va se faire. Soit qu'elle va le subir, le choix. Elle a de la difficulté à mettre fin. Mais ici, avec la carte du bouleversement, il y a fin. Il y a des énergies de destruction. C'est terminé. Une relation qui s'est arrêtée ou on sort de la confusion. C'est fini. Il n'y a plus de confusion. D'accord. Donc, pour cette femme qui est ici, représentée par cette carte de la femme riche, ça va être la fin de la confusion. Elle était dans le doute, dans l'hésitation. C'est une femme qui me paraît être chez elle, au foyer. Elle sort du doute. C'est inévitable. Je regarde encore la carte du soleil. Elle éprouve quoi? Du désir? Une attirance? D'après moi, ici, ça va être exposé à la lumière. Donc là, je reviens à l'homme qui avait un choix à faire entre deux. Il y a une femme, il y a celle qu'on a vue ici qui est libérée, jugement rendu, fin. Il y a une femme ici qui a vécu une séparation. C'est terminé. L'énergie de la mère, à vous de voir. Ou c'est une femme qui a un comportement maternel. Donc ici, elle a retrouvé sa voix. Il y a beaucoup de respect. Il y a eu jugement, jugement rendu. Elle est libérée d'un passé. C'est terminé. Une relation est terminée avec ce masculin. Là, il y a l'autre qui était là, la fameuse... Cette femme qui était dans le doute, la confusion. Donc, on nous présentait le masculin qui avait un choix à faire entre deux. La maîtresse ici, qui est ici, la maîtresse qu'on me présente, bien, va pouvoir, d'après moi ici, elle va sortir du doute. C'est inévitable. C'est inévitable parce qu'il y a mise en lumière du désir. Il y a une personne qui la désire. Et on me présente, oui, ici, le retour de l'équilibre aussi pour elle par la suite. Donc, quand je regarde les cartes, bien, j'ai l'impression qu'on me présente... J'ai l'impression qu'on me présente ici... Ici, la justice, la paix, le retour de l'équilibre. Attendez. On dirait une rencontre avec une rencontre ici. Le soleil, la rencontre avec le diable à l'endroit qui nous parle de quoi? On désire une personne. Le goût d'avoir du plaisir aussi. Le soleil. Le soleil représente le succès. Tout se réallume. On allume. Comme s'il y avait une amante ou une maîtresse ici.
une femme qui l'inspire, bien, elle va sortir du doute. D'après moi, elle va avoir ses réponses. Elle était bloquée. Bloquée par quoi? Attendez une minute. C'est comme si elle n'arrivait pas à tourner la page de son passé. Mais ici, avec la carte bouleversement à l'envers, il y a effondrement. C'est terminé. Donc, c'est comme si quelque chose était maintenant clarifié. C'est clair pour elle. C'est comme si elle sortait du doute, de la confusion, de l'hésitation. Je vais déposer une carte sur ces trois-là. Et je parle en ce moment de la femme là, qui est ici, la femme riche. Elle qui paraît jeune. Ou... Elle est libérée, d'après moi, elle aussi, de son passé. Je vais déposer une carte sur ces trois-là. C'est un changement inévitable, une fin inévitable. Des énergies de destruction et de reconstruction et le désir qui revient. Donc, le passé ici est maintenant derrière elle. C'est ça ici. Elle a tourné la page. Cette personne a maintenant tourné la page à son passé. C'est terminé et... elle va reconstruire. J'ai vu le diable à l'endroit. Quand il est à l'endroit, pour moi, il représente la passion, le plaisir. C'est une carte jouissive. Le retour de la joie, le retour ici, oui, des désirs, le goût de se reconstruire. Donc, il a un choix à faire, cet homme que j'ai rencontré. Et quand je prends le temps de ressentir les cartes, bien, avec cette femme, c'est terminé. C'est un dossier réglé avec la justice, jugement rendu. Et celle-ci, cette femme ici, s'est libérée de son passé. Et elle est prête à reconstruire. Ici, la rencontre. J'ai comme l'impression qu'il s'en va vers elle. Ça peut être une mère aussi parce que j'ai rencontré la fertilité. La fertilité et la carte de l'équilibre, les deux ont des points en commun. Ça peut être une mère aussi. Et la justice, l'équilibre nous parle de quoi? C'est peut-être une femme qui a un esprit de justice. En tout cas, je la ressens en paix. Elle a retrouvé son équilibre. Elle est en mode reconstruction. Le passé est derrière elle. Continuons. Donc, en mon ressenti, je perçois que cette femme s'est libérée de ses histoires anciennes. On avait commencé avec photographie. C'est terminé. Le passé est maintenant derrière elle. Et on dirait qu'elle retrouve le désir. Le désir qui revient. Le soleil. Et d'après moi, on va l'exprimer, on va l'exposer. C'est une femme... qui paraît jeune, qui peut aussi être une mère, à vous de voir, ou qui a l'attitude d'une mère. Esprit de justice. Elle est en paix. Elle est prête ici à reconstruire la fondation qui s'est effondrée. Ici, là, il y a eu destruction et maintenant, elle reconstruit. Il y a désir pour une personne. On dirait une rencontre avec une personne passionnée. Attendez une minute. Et lui, ici, est-ce qu'on a autre chose à dire? Donc, sa décision, je vais déposer une carte ici sur lui. Ici, de ce côté, avec la carte de la bonne dame, il y a une séparation, jugement rendu. Je l'ai ressenti ici, avec les cartes. C'est terminé. Et de l'autre côté, on me présente l'autre femme qui est maintenant prête. Elle a fait son ménage. Le passé est derrière elle. Donc, on dirait que pour cet homme, la relation qu'il entretenait avec cette femme est maintenant terminée. Jugement rendu, on pourrait dire divorce, c'est terminé. Et ici, l'autre femme
Bien, on aurait dit que c'était une. Il y a l'énergie de la menthe avec l'autre, là. Attendez, avec cette plus jeune, on aurait dit l'énergie de la menthe. Une qui nous éveille, qui nous allume. Et ça peut être aussi une mère. Bon, elle était bloquée par son passé. Elle avait de la difficulté à tourner la page, à boucler. Elle avait de la difficulté à tourner la page, peut-être d'une relation. Il y avait hésitation l'entre-deux, mais c'est terminé. Il y a un changement inévitable. Son passé est maintenant derrière elle. Elle est en mode reconstruction. Allons-y avec. Je vais déposer une carte sur lui pour voir le maintenant. Scorpion, il garde espoir. On a la carte ici du cadeau qui est là. Vouloir partager. C'est un homme sensible, intuitif. Il veut partager avec celle qu'il aime, celle qu'il a choisie. Et en mon ressenti, l'histoire avec celle-ci est terminée, jugement rendu. Et avec l'autre ici, avec l'autre femme, bien j'ai l'impression aussi que l'histoire, ici on est prête à reconstruire, à construire. Elle se reconstruit, son passé est derrière elle, prête à construire. Je pense que quand je regarde les cartes, qu'il s'en va vers cette femme qui peut être aussi une mère. Eh bien, c'est pas évident, hein? C'est l'entre-deux. L'entre-deux. Les deux femmes. Partager, partager sa sensibilité, ses émotions. Il y a une connexion ici. On pourrait même parler d'un masculin qui a un don, qui ressent un homme sensible. Oui, le cadeau peut me parler d'un don, une forte intuition. Attendez une minute. Et si je reviens au tout début, j'ai vu aussi quoi? J'ai vu qu'il voulait rencontrer une personne. Oui, on aurait dit qu'il y avait possibilité ici de travailler ensemble. Oui. Vouloir partager une même passion, c'est là, c'est présent. Je regarde encore du côté de l'autre femme. Ici, je ressens la paix, le côté de cette femme, de cette mère. Elle est sur la voie de son rétablissement. Je ressens la paix. On dirait que c'est un deuil qui est terminé, jugement rendu. On est libéré, pardonné, on s'est pardonné. Oui, je me répète, hein? Attendez un peu. Et ici, l'autre femme, elle est libérée de son passé. Elle a fait son ménage. Elle a tourné la page. C'est une femme passionnée. L'énergie d'une mère aussi. Rencontrer ses désirs, rencontrer une personne passionnée, éprouver du désir. Elle va sortir de la confusion. Ça, c'est clair. Elle sort de la confusion. C'est comme si on était pour exposer. Exposer un lien. Il y a une mise en lumière. Je vais déposer une carte sur entre les deux ici. Scorpion. Pour la femme. Ah oui, le mariage. L'homme pense à elle. Il veut s'unir avec elle. Il éprouve du désir pour elle. Il pense à elle. Il veut s'engager avec elle, elle ici. Oui, c'est ce que je perçois. Donc, il y avait deux femmes.
dans la vie là, de cet homme. Il avait comme une décision à prendre. Une ici, on nous a parlé du jugement rendu, c'est terminé. Et l'autre femme, bien, on dirait qu'il veut la marier. C'est ce que je perçois. Il pense à elle. Il y a beaucoup de désir. Oui. Ça peut être aussi une femme qui est mère ou qui a l'attitude maternelle, qui est maternelle. Elle peut avoir des enfants aussi. Donc, le désir de s'unir, de se marier. On dirait ici que ce masculin qu'on me présente, on me le présente, d'après moi, avec un don. Oui. Hypersensibilité, beaucoup d'intuition. Il ressent les émotions. Oui. D'après moi, ici, là, ouf. Bien. Ça va être exposé. Si elle était dans l'ombre ou cachée, bien, il n'y a plus de raison d'être cachée avec le soleil. Ça va être clair. C'est une relation qui peut se rendre jusqu'au mariage. Ici, est-ce qu'il y avait autre chose? Habitude. Ici, on m'a présenté une personne qui attend quoi? Qui attend... On m'a présenté ici avec le policier. La personne qui voit venir les personnes manipulatrices en dessous du jeu, là, au tout début, on les a vues. Les personnes rusées. Cette personne a appris à les stopper. Elle les voit venir de loin. Bon, ici, la fortune et on attend. On attend quoi? Je vais déposer une carte sur l'attente pour cette personne. La fortune. Bien, on nous parle de pouvoir. Pouvoir. Donc là, ici, on nous parle d'affaires. Attendez. C'est peut-être une personne en affaires. En tout cas, c'est une personne qui a les qualités du chef de ce côté. Je pense que je rencontre plusieurs personnes. Personne qui a une grande force intérieure. Affaires. Peut-être partir à son compte. Attendez une minute. Être en affaires. Je vais déposer une carte ici. Pouvoir sain. Le pouvoir est sain. Ici aussi, on me présente une personne en situation d'autorité. Pouvoir sain. Tu attends quoi? C'est une personne qui quoi? Qui a de la difficulté à quoi? Le jugement à l'envers. N'arrive pas à se libérer d'un passé? N'arrive pas à se pardonner ou à pardonner? Tu attends quoi? La révélation de la vérité? Il y a quelque chose de caché. Qu'est-ce que tu attends? Là, je m'adresse ici à cette personne qui a une grande force intérieure. Qu'est-ce que tu attends? Et on nous présente la fortune. Comme s'il y avait une vérité cachée. Qu'est-ce que tu attends? Danger, l'éclatement. Un bouleversement. L'effondrement. Mais qu'est-ce que tu attends? Attendez une minute. On dirait qu'on attend que quoi? Que ça pète? Pour être délivré, danger, changement significatif, inévitable, c'est comme si on me disait que tôt ou tard, ici avec le danger, c'est la carte qui nous parle d'un changement inévitable, sur la carte du jugement. À l'envers, on me dit quoi? La lumière s'est exposée. Donc, ce qui était caché est maintenant exposé à la lumière. Ça entraîne un changement, un bouleversement. Et à la fois une réussite, un accomplissement. On attend, ici on nous parle de vérité cachée.
Et on nous parle d'éclatement, effondrement, mise en lumière. Donc, ce qui était caché est maintenant mis en lumière. Ça provoque un changement là, ici, là, ouf, tout un bouleversement. Et à la fois, une réussite, un succès. Ça me fait penser à cette carte là, ici, de la fortune, une réussite, profond contentement. On dirait ici que cette personne expose la vérité, l'habitude de mettre des limites. On attend avant de dire la vérité. Il y a quelque chose qui était caché, vérité cachée. C'est comme si cette personne-là n'était pas libre. Puis on nous parle d'un changement soudain, inévitable. Tout est exposé à la lumière et c'est une carte de réussite, de succès. Succès. Mais il y a eu un effondrement. Donc, ce qui était caché est maintenant exposé à la lumière. Et c'est comme si on avait gagné. Santé, prendre soin de sa santé. Alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer. Si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps. La santé. Donc là, ici, on nous encourage à prendre... Voyons, qu'est-ce qui fait ce bruit-là? On nous encourage à prendre soin de notre santé. Habitude, les lois, attendez, mettre des limites aux personnes rusées, mal intentionnées. Ici, c'est comme ça qu'on a commencé. D'après moi, on nous parle de l'éclatement de la vérité. Oui, quelque chose était caché. On n'arrivait pas à se libérer d'un passé. Et c'est la vérité qui éclate au grand jour. Vérité qui éclate au grand jour et on nous présente le succès, la réussite. Ici, là, c'est le succès. Le bonheur, la joie, c'est la réussite. Ouf, c'est tout un jeu. Et la santé maintenant, c'est important de prendre soin de notre santé. Je vais déposer une carte rose sur la santé. Prendre soin de soi, prendre soin de notre santé. Scorpion sur la santé. Passion. Oh là là! Oui, et aime-toi, respecte-toi. Prends soin de toi. Ouf! Ici, là, d'après moi, là, ouf! D'après moi, il y a une rencontre ici. Oh! Je pense que je rencontre une personne très passionnée, mais on nous dit, rappelle-toi. Prends soin de toi. Aime-toi, respecte-toi. Je rencontre une personne très passionnée ici. Mais oui, c'est Scorpion! C'est bien certain! Scorpion, passion, scorpion. Il y a de l'intensité. Une personne qui prend soin d'elle. Qui se respecte. Eh bien, je vais m'arrêter ici, signe du scorpion. Puis... Bien, je vous dis à demain. À la prochaine!